Bon, alors apparemment, le semi a fait 804 km sur une seule charge, aux États-Unis, évidemment. C'est Elon Musk qui l'annonce, hein. D'après lui, un exemplaire de près de 37 tonnes a pu parcourir 804 km sur une seule charge, soit exactement ce que promet la fiche technique du semi dans sa version définitive et haut de gamme. Comme l'a souligné l'entreprise et quelques spécialistes du secteur, cette autonomie serait parfaitement suffisante puisque les chauffeurs seraient obligés de prendre une pause avant même d'arriver au bout de la batterie. Mais ça dépendra bien entendu du type de trajet effectué et du taux de charge de départ. Entre deux liaisons, les Tesla Semi pourront se recharger sur les nouveaux superchargeurs de la marque, appelés méga chargeurs. Ils permettront de regagner 70% de la batterie en seulement 30 minutes, avec une puissance d'un mégawatt. Reste à connaître le plan de développement prévu par la marque, car s'il ne fait aucun doute qu'ils seront implantés autour des autoroutes, des stations pourraient se montrer utiles au milieu des pôles logistiques pour permettre à des camions de faire le plein pendant le chargement de la remorque. Bah ouais, c'est ça. Mais par contre, il va falloir aligner les bifetons pour installer des bornes pareilles, hein. Parce que là, c'est un méga, c'est 1000 kilowatts la puissance. C'est un mégawatt, quoi. C'est juste colossal, en fait. Donc bon, ça va pas être simple à alimenter tout ça, je pense. Donc en tout cas, bonne nouvelle pour le camion qui tient ses promesses, visiblement, en termes d'autonomie. Je vous laisse commenter.